Herzlich willkommen bei Discovery TV Rooftop Session hier in Zürich. Mein Name ist Geraldine. Hinter mir, neben mir ist Afterlight. Und ihr Song ist? When You Go Out. Viel Spass! Die Musik, ich durchströme meinen ganzen Körper, das ist unglaublich. Also ja, jetzt sind wir da. Guten Tag, ja. So, wie habt ihr euch kennengelernt, ihr alle zusammen? Oui, alors Afterlight, donc c'est un projet qui a une petite année. En fait, donc c'est un jeune projet. Donc on s'est rencontrés. Moi, je connaissais Thibaut. J'avais déjà fait de la musique dans des jams à Vevey. Donc je l'avais rencontré il y a déjà plusieurs années de cela. Et puis vu que j'avais ce projet en tête de former un nouveau, enfin de former Afterlight, donc du coup je l'ai contacté. Et peu après, on cherchait à compléter la formation avec un bassiste. Donc du coup, on a mis une annonce et on a rencontré ce magnifique jeune homme ici présent, Michael. Gut, und die Band an sich, wie ist die entstanden? Oui, donc le groupe, comme je le disais tout à l'heure, c'est une petite année, donc c'est un jeune projet. Mais très vite, je trouve qu'on a trouvé une bonne symbiose entre les musiciens. Puis du coup, on est très à l'aise de jouer ensemble, donc ça nous permet, c'est très motivant. Et donc on arrive à progresser vite et on a réussi à mettre en place un joli petit set en seulement une année. Donc on travaille et puis on est des musiciens passionnés, donc ça avance bien. Und die Musik an sich? Was bedeutet euch das? Also ihr macht ja Indie-Rock. Und was ist das für euch? Was gibt euch das? Oui, donc, bon,
Moi, j'ai des influences effectivement très personnellement, en tout cas pas mal au niveau des années 80 et particulièrement de la New Wave, donc des groupes comme les Cure ou Depeche Mode, mais on ne se résume pas seulement à ça. Je pense qu'Afterlight, c'est beaucoup plus large parce que les musiciens Michael et Thibaut, avec qui j'ai la chance de faire de la musique, ben, ils ont vraiment aussi d'autres horizons, donc ils apportent aussi d'autres perspectives à la musique. Donc c'est pas, il y a une patte années 80 dans notre son, mais ça fait aussi référence à des groupes plus actuels. Je pense à des groupes comme Editors ou Interpol, même les Red Hot Chili Peppers aussi, par rapport à la basse notamment. Donc vraiment, notre univers, il est assez riche en fait. Il se résume pas seulement à la New Wave des années 80. Klingt sehr gut. Und was ist die Musik, also euer Song, was hat der, was löst der bei euch aus überhaupt? Also wie ist das so für euch? Also was habt ihr für das Gefühl? Oui, alors les paroles, ben oui, donc elles parlent en fait d'une anecdote un petit peu par rapport à un ami à moi qui justement s'était retrouvé du jour au lendemain sans sa copine qui était partie en fait sans rien dire, sans dire un mot, brusquement comme ça, et ça m'a inspiré ces paroles par rapport à la perte d'un être cher, et puis le fait en fait de se retrouver comme ça. Sans s'y attendre, en fait, surpris par la perte de quelqu'un à qui on tient. Donc, ça évoque un petit peu les émotions qu'on peut avoir par rapport à une situation similaire, mais c'est pas forcément lié qu'à une relation amoureuse. Ça peut être aussi lié à une perte, en général, face au deuil ou des choses de cet ordre-là. Und wann habt ihr euer nächstes Konzert denn? Oui, alors notre prochain concert, ça se passera début décembre, donc le 5 décembre, et ça se passera à Vevey. Donc, ça s'appelle Le Local à Vevey, et c'est un endroit en fait qui, depuis plusieurs années, qui existe, et puis c'est vraiment un endroit où on trouve vraiment beaucoup de musiciens et beaucoup d'artistes. En fait, c'est un milieu artistique assez fécond. Et puis du coup, on avait, en fait, c'est marrant parce qu'on avait avec Thibaut à l'époque, on s'était rencontrés dans cet endroit-là. Donc du coup, on va retourner un petit peu aux origines. Et puis, ça sera un concert en fait dans le cadre d'une journée porte ouverte à des artistes. Donc ça sera le 5 décembre à Vevey, au Local. Vous êtes tous bienvenus. Also, ihr habt es gerade gehört, wenn ihr die Jungs wollt hören wollt, Afterlight, geht auf WW im Dezember und hört sie nochmal. Gut, und. On cherche évidemment, on cherche activement aussi pas mal de dates de concerts autres aussi. Et donc, on est en prospection à ce niveau-là aussi pour trouver de nouvelles dates, pour nous faire connaître notre musique et puis la partager avec des gens. Gut. Und wo kann man euch finden? Auf Instagram? Facebook oder was auch noch, was es sonst noch für Social Media gibt. Und wo finden wir eure Musik denn? Wo kann man sie hören? Oui, alors donc nous avons un site internet qui s'appelle www.afterlit.ch. Et donc du coup, à partir de ce site, vous avez le lien donc sur d'autres réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram. Donc vous nous trouvez aussi sur Facebook, Instagram, simplement en tapant le nom du groupe Afterlight. Et donc tout simplement à partir de ça, vous nous trouvez en fait principalement Instagram et Facebook. Mais le site est bien fait. Je vous conseille d'aller faire un saut. On a la chance aussi dans le projet d'avoir un informaticien. Donc j'arrête pas de faire des compliments à Michael. Mais voilà, magnifique chemise Thibaut, merci. Toujours un plaisir de jouer avec ces deux personnes, donc vraiment, je suis enchanté. Merci pour l'accueil. Ja, ich danke euch auch sehr. Hey, die Musik ist mega, sie ist wirklich durch den ganzen Körper geflossen und man hat sie einfach nur können fühlen und es einfach nur geniessen können. Und somit verabschiede ich mich jetzt schon wieder. Ich wünsche euch einen ganz schönen Nachmittag und gute Zeit noch. Bis bald. Tschüss zusammen.